In the middle of the equatorial forest, south region of Cameroon, is Mangohong, a crossroads city between two metropolises of the south region, Abolova, regional and divisional capital, and Sanmalima, divisional capital of Dja and Alobo. Nous avons des populations dynamiques occupées à divers métiers, principalement l'agriculture et le petit commerce. Vous savez que Mangohong, c'est d'abord une unité administrative et elle regroupe une population cosmopolite. Mais la particularité ici, que nous vivons essentiellement d'agriculture. Et Mangohong étant une ville carrefour, nous accueillons des populations de toutes les régions du Cameroun qui vivent en harmonie ici, mais qui vivent également avec diverses occupations et qui sont pleinement intégrées. It is in this village that the cultural festival Biaso Mangohong lights its sacred fire every month of July. This great cultural gathering has become one of the most anticipated annual events for inhabitants of this locality. Aujourd'hui, c'est pour présenter le Mangohong sous le prisme culturel. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de lancer une manifestation culturelle. Et nous sommes réunis ici avec les chefs traditionnels pour pouvoir présenter à la communauté nationale ou bien internationale ce que nous avons de mieux en matière de culture. C'est une très belle ambiance. Vous voyez d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes que vous retrouvez. Ce n'est pas souvent ordinaire de voir tant de monde ici. Ça veut dire qu'il y a un événement particulier qui se passe. Parce que c'est Biaso Mangohong, ça veut dire que nous venons de Mangohong, nous sommes de Mangohong. Il faut donc que cet événement soit un événement qui se perpétue de manière continuelle. The Biaso Mangohong Festival also comes with many business opportunities. For this occasion, local delicacies are presented to visitors, a way of making them discover the identity of the people of the forest. Selon le nombre d'années d'expérience que j'ai dans la matière, quand les étrangers arrivent ici, là, ils ont 2 minutes dans la bouche, porc et pique, parce qu'ils ne connaissent pas tous les noms de tous les gibiers. Donc, la majorité de mains, il y a le porc et pique, il y a le porc et pique, il y a le porc et pique, et le pangolin. Comme l'événement que nous avions ici, là, j'ai les variétés que gardent pour les étrangers, comme la vipère, le varan, le porc et pique, le pangolin et le poisson loup du spateur. Le poisson ne manque jamais. Ce que moi je propose aujourd'hui, c'est l'habillement des chefs traditionnels. Oui, parce que ayant observé la manière dont ils s'habillent, ça m'a un peu dérangé, écœuré. Parce qu'on ne peut pas dire les chefs traditionnels dans les peuples de la forêt s'habillent avec des tissus occidentaux. C'est-à-dire qui reflète un peu l'image de la civilisation occidentale, alors que les habits qu'ils portent, qu'ils devraient porter, devraient refléter plutôt l'image de la tradition. C'est la raison pour laquelle je propose que les chefs traditionnels de porter leur tissu d'avant, c'est-à-dire le bon. Few hours to the opening ceremony, everyone wants to look good. The wait is long, but it is worth the sales, especially with the transformation that comes via the expert hands of Mama Noel, who sees her turnover increase. Comme il y a événement, comme c'est dehors là, même vous voyez l'influence des femmes. Les femmes se rendent belles, mais quand il n'y en a pas, c'est difficile.
Donc on en profite aussi. Moi c'est un don de Dieu. Chez moi c'est un don de Dieu. Je n'ai jamais appris la coiffure. Maintenant, comme il y a déjà les téléphones qui sont dehors, j'apprends beaucoup plus ma coiffure par les téléphones Android. Quand les nouveautés sortent, je prends mon téléphone Android, je tape et j'apprends. Their initiative is that of a son of Mongahong who wishes to reunite his brothers and sisters in order to restore the tradition and cultural values of the area, which seem to have lost its values in the years past. The Great Cultural Parade during the opening ceremony of the second edition was an opportunity to remind the people of their history and unique identity. This year, we brought some of the novelties that you saw. We had a choreography, more than 100 children and adults from the Mongong County participated in this story that is well known, the story of a people working together, then a chief comes in, takes everything, and then they fight the chief, and then afterwards they make peace, they make amends, and start to work together. It's a beautiful story, but what was more beautiful was to see the children in Mongol from various ages being able to perform like professional actors. The Bilinga Foundation promotes art, culture, health, education, and sustainable development. So the Biaso Mongol Festival is able to put all those things together from all five axes. That's what you're going to see. Resonance is made up of board games, football matches, traditional dances, crafts and gastronomic exhibitions, among others. The festival, which lasts for 2 weeks, is an invitation to a younger generation who have now settled in major metropolises around the country not to forget their roots. Mais ce que nous disons aux jeunes, qui sont d'ailleurs nos enfants, aujourd'hui c'est que ensemble, la vie ne se retrouve pas seulement dans les métropoles. La vie également, c'est chez nous au village, parce que ici, c'est le village. C'est notre village, c'est là où nous sommes nés. Et quand vous avez des racines quelque part, nécessairement, vous devez vous arranger à y être, parce que la racine, c'est l'essentiel. La culture se meurt chez nous de plus en plus. Et il est question pour nous, en tant que responsables culturels ou bien autorités traditionnelles, de renouveler un peu les us et coutumes que nos parents nous ont donnés. Et maintenant, comment est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir atteindre nos objectifs? Ça, c'est essentiellement, en tant que chef, pas essentiellement, principalement, ce sur quoi nous discutons quand nous réussissons en tant que chef. Je tiens à vous remercier le promoteur de ce festival, notre professeur. Et je tiens aussi au nom de la population de Mongong à lui dire merci parce qu'il a apporté vraiment un grand pouce au développement de notre communauté. Et au nom de la communauté, je tiens
à continuer à l'encourager pour que nous puissions aller de l'avant et aussi à promouvoir l'utilisation de nos cultures, que les jeunes puissent s'allier aux plus grands pour continuer à garder nos us et coutumes. For this second edition, the theme chosen is Unity is our strength, and the mobilization is highly saluted by the populations and administrative authorities present. Nous avons apprécié et admiré la grande mobilisation à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture du festival Biaso Mengong. Et je dois particulièrement féliciter la fondation Belinga, initiatrice de cette activité, et particulièrement le promoteur qui apparemment ne vit pas permanemment dans le pays, une diaspora qui doit être encouragée. Sa seule initiative a été pour nous un message qui nous laisse comprendre que lui et la fondation sont préoccupés par les problèmes de développement du terroir. The Biaso Mengohong Cultural Festival is a proof that it takes several hands to tie a bundle of greatness for all and sundry. Bye.